qu'avons-nous fait du temps? Toujours plus rapide, toujours plus efficace, toujours plus rentable. Le temps ne semble plus pouvoir échapper à la commune mesure de l'argent. Nous sommes entrés dans l'ère de l'accélération, de l'immédiateté devenue norme. Mais à quel prix et jusqu'à quand? Ses repères et ses souffles dans sa quête de croissance. Et nous avançons vers des catastrophes économiques, sociales et écologiques pourtant annoncées. Mais la résistance s'organise. Un peu partout, des femmes et des hommes ont décidé d'échapper aux diktats de l'urgence sur une planète aux ressources limitées. Qui sont ces nouveaux rebelles, vivant à contre-temps, ces précurseurs qui redécouvrent aujourd'hui un rapport patient et fertile au temps ?